Coloré. Comment tu te sens, Nico? Avec ça? Disons que c'est une sensation un peu originale. Mais déjà, on est au contact du monde. On est dehors. La vue est belle. Mais je sens que je suis dans. Je sens que je suis dans des habits que je porte pas d'habitude. Quoi. C'est la première fois que tu te laisses habiller comme ça ou que tu te habilles avec des tenues. Tu veux dire des habits féminins? Ouais, mais des habits. On va dire que bah, petit, je faisais des. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais des histoires où j'interprétais plusieurs personnages, j'avais plusieurs costumes empilés sur moi. Et je me transformais un coup en princesse, un coup en Spider-Man. Mais à part des petites occasions comme ça, là c'est vraiment pour quelque chose de sérieux ou qui touche au domaine du travail, bah, c'est la première fois. Et ça te fait quoi? Bah, j'ai l'impression en fait de pas être habillé. Genre, les habits sont tout légers. Genre c'est. Ouais, j'ai l'impression de marcher avec rien presque. Parce que là, c'est la sensation, c'est presque la sensation de la peau en fait. Mm-hmm. C'est original. Et autant que mec cis hétéro, c'est quoi? Ça fait quoi? Mais après là moi. C'est... Ça me dérange pas parce que de toute façon pour mon but ça va m'apporter quelque chose, mais après, enfin, par exemple quand tu me dis 6 pour toi c'est quoi 6? Une personne 6 c'est une personne qui est d'accord avec le sexe assigné à la naissance. Du coup t'es d'accord avec mon sexe assigné à ma naissance. Oui. Oui. T'es tranquille. Oui, je suis tranquille. Non mais c'est vrai que tu connais. J'ai pas la notion de tous ces mots quoi. Tous ces mots souvent, tu sais, on te dit. Il y a les mots qu'on connaît quand même depuis longtemps, tu sais. Homosexuel. Depuis longtemps, on se dit des mots pour ma part que veux. Pardon. J'ai compris petit. Mais après, il y en a beaucoup que j'ai appris, tu vois, il n'y a pas longtemps. Il y a aussi les réseaux sociaux, le fait que. Tout bouge, tu vois, mais il y en a que je connais, mais que je comprends pas encore forcément le fond, tu sais. Pansexuel, par exemple, tu vois. Pansexuel, ça veut dire que t'es attiré, tu peux être attiré par tous les types de personnes différentes, ouais. N'importe. Ouais, mais du coup, ça voudrait dire que si je le traduise, par exemple, t'es attiré par donc l'intérieur de la personne, mais le fait que ça soit une fille ou un garçon, ça change rien. Ouais. Tu vois pas ça, en fait. Voilà. Et après, il y a beaucoup d'autres mots, mais je les connais pas. Il y en a que je connais pas. Alors là, t'es waouh! Je me vois pas, mais. Tu te verras quand je vais te faire des photos. Alors, est-ce qu'on laisse ton boxer ou pas? Non. Faut l'enlever? Bah, non, on va voir. On va voir si on le voit trop ou pas. Là, ça fait trop beau avec. La dentelle. Ouais. Plus beau mon boxeur. On peut. Bon, on va voir. Écoute, là, je vais prendre la caméra. Mets-toi un peu à l'aise, genre, commence à t'échauffer un peu. Voilà, à faire des trucs qui te viendront, genre, au niveau danse, au niveau corps. Ouais.
trouve un peu ce que ça te dit de, d'être habillé comme ça. Ça te change quelque chose ou...